Que je vous ai cité juste avant que j'ai reçu ce soir, je l'ai mis parce qu'en fait j'en reçois plusieurs. Crest, je vais juste vous rebalancer le lien direct en. Blanchiment dentaire que tu peux faire chez toi, le plus puissant qui existe à l'heure actuelle sur le marché. Donc voilà, je vous mets tout en swipe up, n'hésitez pas à aller faire un tour. Numéro 1 pour moi c'est celui-là, donc c'est les bandes 3D Crest, plus beaucoup parce qu'on l'utilise au quotidien. C'est celui-là, je crois que ça s'appelle Glam, voilà, donc Glam White. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, pour moi c'est le combo parfait pour avoir des dents ultra white. Bon, je suis immobilisée avec la bête. Je vous ai balancé quelques films, comme je vous ai dit, je vous en balancerai tous les soirs. Pas blindé ma story, j'en ai au moins une vingtaine, je crois. En tout cas, tous les films seront toujours à retrouver dans mon highlight, ma story permanente que vous pouvez retrouver sur Instagram. Voilà, moi je vais foncer dans le ciné. Inès, il m'attend déjà. On va aller ce matin un nouveau film. Quoi, je ne sais pas, j'ai plus d'inspi pour le coup. Tiens, tiens, tiens! Regardez ce qu'il a acheté Inès aujourd'hui. C'est n'importe quoi, il a acheté le magasin. Je sais pas quoi. Ça. Sur le M&M, sur le Malteser. Cela. Il a pris des Maltesers comme ça. Genre, vraiment, il y a de tout. Mais pour moi. M&M's. Non. Et il a dit tous les jours, je me réveille, je prends un smoothie. All the day. Tous les jours. C'est impossible. Bon, les amis, en direct de la piscine. Il fait trop beau pour pas changer à Dubaï. Je sais pas comment. En arrière-plan. À la maison. Aujourd'hui, on va en faire une avec MS. Juste, on part dans quelques jours, donc là, on n'aura pas le temps. On part en vacances, ça va être trop bien. Je ne l'ai toujours pas fait. Donc, pour ceux qui se disent, on a peut-être loupé, non, non, je l'ai toujours pas fait, je le fais aujourd'hui. À 35, la famille, c'est dispo. C'est dispo, la famille. Ça y est, je m'apprête à faire mon test ADN tant attendu. Vous avez été trop nombreux à me demander. J'avoue, j'ai un petit peu tardé depuis la réception du kit qui se trouve juste ici. Donc, on va le faire ensemble. Enfin, je vais le faire avec vous, devant vous. Donc, pour la petite anecdote, plutôt pour la petite histoire, moi, en fait, je connais mes origines uniquement du côté de mon papa, qui sont espagnols, et du côté de ma maman, suite au décès de sa maman à sa naissance, j'ai aucune information, elle a aucune information, c'est le flou total. Du coup, vous allez me dire pourquoi mon deuxième prénom c'est Zora, parce que du coup, sa maman adoptive, à ma maman, est une Marocaine qui s'appelle Zora. Du coup, à la naissance, ils m'ont donné son prénom. Mais je ne sais absolument pas quelles sont mes origines. Donc, je vais m'empresser de faire ce test avec vous. J'ai trop trop hâte. Je me demande vraiment ce qu'on va découvrir. Et je sais que ça en intéresse vraiment beaucoup d'entre vous. Donc à la fin de mes stories, je vous mettrai le lien directement sur lequel vous pouvez commander votre petit kit. Il faut savoir que moi, ça m'a coûté 49,50 €. Le kit, je l'ai réceptionné sous une dizaine de jours pour Dubaï. En France, c'est peut-être plus rapide, j'en sais rien. En tout cas, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pouvez commander votre petit kit. Et j'ai qu'une hâte, on va découvrir ça ensemble. En fait, j'ai trop hâte de recevoir mes résultats. Sauf que mes résultats, j'ai lu que ça mettait entre 4 à 7 semaines. Genre, ça part aux États-Unis, dans le Texas et tout. C'est là-bas qu'ils font les tests et tout. Je vous explique, je me crois dans NCIS, enquête criminelle. Et on est en train de rechercher mes ADN.
J'ai pris mon coton-tige, j'ai ma petite fiole. Je dois mettre mon coton-tige dans ma bouche, au niveau de ma joue. Il ne faut pas que j'aie fumé, mangé ni bu dans les 30 dernières minutes, chose qui est le cas pour moi. Et je viens à récolter ma salive dans ma joue. Voilà, comme ça. Plusieurs secondes. Hop. Ensuite, je viens dévisser la petite fiole. Hop, mon coton-tige. Je la trempe à l'intérieur. Et je dois casser le coton-tige, comme ça. Donc en fait, j'ai dû le casser. Il se casse très facilement. On peut voir qu'il est à l'intérieur. Et hop, premier test ADN réalisé, réussi. Là, je réalise tout de même que je vais connaître mes origines enfant dans quelques semaines. Genre, c'est un truc de ouf. Exactement la même chose, je trempe. Je casse. Et je visse. J'ai plus qu'à emballer. Toi aussi, tu veux connaître ton ADN ? Toi aussi, tu veux connaître ton ADN ? J'ai plus qu'à emballer, envoyer dans ma petite enveloppe. Et c'est parti. J'ai aucune idée de ce que je vais recevoir en résultat. Mais genre vraiment.